Au milieu de tous les films et séries qui sont disponibles sur Prime Video, les abonnés sont certainement passés à côté de cette petite pépite australienne, qui se visionne en moins de 4 heures. Comme ses principaux concurrents, Amazon Prime Video dispose d'un riche catalogue. Côté film, les abonnés sont gâtés avec la mise en ligne des 5 opus de James Bond avec Daniel Craig, du dernier volet des aventures de Spider-Man avec Tom Holland des Zendaya et les 3 premiers films de John Wick. Il est également possible de visionner les comédies cultes La Tour Montparnasse, Scooby-Doo, Shrek et ses suites ainsi que SOS Phantom, L'Héritage ou le Peplum Gladiator. Côté série, la plateforme américaine regorge d'anciennes productions telles que Cold Case, Smallville, Shameless, ou encore Les Frères Scott, et de nouvelles productions originales comme Citadel et House of the Dragon. Mais attention à ne pas passer à côté de pépites telles que la comédie Colin from Cairns, qui se regarde en seulement 4 heures. Colin from Cairns, une comédie venant tout droit d'Australie dans Colin from Cairns, Harriet Dyer et Patrick Bramall, couple à la ville comme à l'écran, incarnent respectivement Ashley, une étudiante en médecine, et Gordon, directeur d'une brasserie. La vie des protagonistes bascule lorsque ce dernier a un véritable coup de foudre pour la jeune femme alors que celle-ci traversait la route. Gordon est tellement ébahi par la beauté d'Ashley qu'il percute accidentellement un bordé terrier. Les héros se précipitent rapidement chez le vétérinaire, qui leur annonce que l'animal a d'importantes lésions au niveau de la colonne vertébrale. Au lieu de déposer le chien dans un foyer, Gordon et Ashley prennent la décision de partager sa garde. Ils nomment le chien Colin from Cairns et entament une belle histoire d'amour. Colin from Cairns, y aura-t-il une saison 2 de la série? Pour l'heure, CBS Studio n'a pas confirmé le développement d'une seconde saison de la comédie. Si la société de production décide de renouveler la série, les fans pourraient bien attendre un petit moment avant de la découvrir puisque la plupart des fictions télévisées sont mises à l'arrêt en raison de la grève des scénaristes. Depuis le 3 mai dernier, des milliers de scénaristes américains se sont mis en grève en raison de l'échec des négociations entre le syndicat AFTRA et les représentants des studios, des chaînes de télé et des plateformes de streaming. Plus d'un mois après l'arrêt total de leur activité, le bras de fer entre les scénaristes et l'alliance Motion Picture and Television Producers continue. Article écrit en collaboration avec C-Media. Love just had a heart.